Dameou, reconnu sous le nom de Maître Rabitan, ministre des Affaires sociales au Palais Royal d'Alada, a surpris une fois encore ce mercredi 3 novembre 2021. L'homme au cœur d'or a offert un fauteuil roulant à Sela, une handicapée qui éprouve d'énormes difficultés avant de se déplacer. La soeur que vous voyez, elle s'appelle Sadou Tegbe Séraphine. Elle était venue me voir pour me dire qu'elle a besoin d'un vélo pour se déplacer parce qu'elle a du mal à se déplacer. J'ai complètement oublié, il faut le dire, j'ai oublié. Je l'ai promis, mais je l'ai oublié. Mais la semaine passée, le week-end passé, je suis venu encore au village. Quand je l'ai vue fortuitement à la maison, elle m'a salué. J'ai dit, ah tiens, reviens me voir le mercredi à partir de 15h. J'ai une surprise pour toi. Et par la grâce de Dieu, je suis venu avec ce petit vélo de déplacement pour les handicapés, pour lui permettre quand même de se déplacer comme toute autre personne qui est dans le village et lui donner un peu de joie au cœur. Parce que ce n'est pas que nous sommes riches, nous n'avons rien plus que tout autre, mais pour nous, c'est de contribuer à l'épanouissement de la population de notre village et même du Bénin. La récipiendaire, très heureuse de ce don après la réception, accompagnée de son guide, n'ont pas caché leurs impressions. Les collaborateurs du ministre des Affaires sociales du Palais Royal d'Alada, ayant été témoins de ce geste, ont félicité le donateur. Vraiment, on ne peut que le féliciter, le remercier. Il est le ministre des Affaires sociales. Il n'est pas le premier. Mais si ces devanciers avaient fait comme ça, notre royaume ne serait plus comme ça. Et c'est un envoyé de Dieu, créateur du ciel et de la terre. Et depuis son intronisation, ce qu'il est en train de faire pour ce milieu-là, pour tout le royaume d'Alada, c'est vraiment beaucoup. Et nous implorons Dieu, le Tout-Puissant, de le bénir et de lui accorder une bonne santé. Vraiment, ce qu'il vient de faire, il nous a surpris agréablement. Parce que cette fille-là, elle allait sur ses fesses depuis fort longtemps. Mais nous, on revient d'une réunion, on ne savait pas qu'on allait assister à un don comme ça. Que les membres de nos ancêtres le bénissent davantage. Vie na vie, mais la fois qu'on doit qu'on peut en dire, vie, vie, la néombre, becarakan,
bakun gbọ to ka ma ma to to gudo bo e ka in fa yen kan in miracle dia do parce que fiere affaire sociale c'est très important nous savons dire fiere no e peso do tien miracle bon nous de ya edle be ka do honi be ka fini to home bo do akun sin ron ron po mo gbe so e po be wa nu lo ka bo ho kan me mere mere yen do ra era ho kan ho kan e deji kan be ho mere mere yen do ra mo ka bo mo ka wa yin mo do egbe tin e bo mi ka le a je de me ma sa mo do mi ne ah mi ka je de me o e yo gbe na pon wo bo a pon vi o remercier tous les sages qui sont avec nous et je ne peux rien faire sans eux. D'accord, c'est vrai qu'ils ont dit tout ce que je fais dans le village, c'est bon, ils ont apprécié, mais je ne peux pas le faire sans leur volonté. Parce que toute action que je veux mener dans le village, je demande toujours leur approbation et ils me l'accordent. Donc je les remercie infiniment et que l'Éternel des armées nous consolide de plus pour que le royaume d'Alada puisse rayonner encore plus. Ce dernier invite les filles et fils de son entourage à penser aux personnes démunies pour leur bien-être. Les personnes de bonne volonté, ça ne manque pas. Il y en a de toutes sortes, dans tous les quartiers, dans toutes les villes, dans toutes les familles. Nous les encourageons à le faire toujours de plus et toujours quand le fait de ne rien espérer d'autres personnes. Parce que si vous devez offrir quelque chose et penser que vous aurez forcément la reconnaissance de l'homme, ce n'est pas ça. Ce sont les divinités qui nous encouragent. C'est Dieu Tout-Puissant, c'est Bolissa qui nous remercie et qui nous fortifie. Donc je dis à tous les donateurs de ne pas cesser de faire le bien autour d'eux et que les bénédictions soient. Vivement que chaque citoyen béninois emboîte les pas de cet homme afin d'améliorer la condition de vie de ces personnes démunies.